Donc nous sommes une équipe qui s'est formée de 5 membres et donc nous avons tous été volontaires pour faire cette réalisation. C'est la 12e promotion, 12e promotion ingénierie de la conception, 9e promotion de master, après 18, donc c'est la 18e aujourd'hui, après les promotions de DESS. Donc voilà maintenant notre institut qui s'installe dans la durée et depuis quelques années, c'est également une formation d'ingénieurs par l'apprentissage. Monsieur Le Rich va sûrement en parler tout à l'heure. Voilà, nous accueillons également ce soir, nous avons la remise de 2 diplômes à 2 docteurs, puisque notre dispositif est un dispositif d'enseignement et de recherche, et nous formons bien sûr également des docteurs dans notre spécialité. Vous êtes aussi une élite pour le pays. Et on dit souvent, j'ai ce travers par formation, on dit souvent que la France est patrie des arts, patrie des lettres, mais la France est un grand pays d'ingénieurs. Ce sont les ingénieurs aussi qui ont fait l'histoire de la France et qui ont fait la France grande telle que nous la connaissons. Notre histoire, elle est faite au moins autant par Ferdinand de Lesseps qui conçut le percement du canal de Suez dans les années 1860, puis le percement du canal de Panama à la fin des années 1890. Elle est au moins autant faite par lui que par des écrivains. L'histoire de notre pays, l'avenir de notre pays, c'est aussi vous, c'est beaucoup vous qui l'écrirez, et à ce titre, vous êtes bien une élite. Et donc pour trouver tout ça, pour trouver le ou les métiers qui vous permettront, qui vous permettront d'être bien, donc trouver un équilibre, parce que vous entendez parler peut-être de burn-out, etc., qui sont des vraies maladies de métier à responsabilité. Donc il faut trouver son équilibre, et il faut prendre du plaisir. Donc même quand il y a des problèmes, même quand c'est difficile, quand il y a des conflits, il faut garder le rapport humain et se dire que la résolution de problèmes, ça peut procurer aussi du plaisir. Y ahí con el...